Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Merci pour votre fidélité. Vous avez certainement constaté que depuis quelques semaines, nous avons des bugs, nous avons des soucis techniques. Et cela ne dépend pas de nous, c'est notre hébergeur qui a quelques problèmes. Et nous sommes en train de nous organiser pour... Donc basculer sur un autre, n'est-ce pas, opérateur. Donc, et là, nous croyons que vous aurez, donc il n'y aura plus de problème, n'est-ce pas. Donc, vous aurez de bonnes images, tout ça. Et merci en tout cas pour votre fidélité, pour vos prières. Et vous savez en même temps que l'ennemi n'est pas content hein, de tout ce travail qui se fait. Et donc, nous avons besoin de vos prières. Voilà, mes amis. Père, nous, Yeshua, nous te confions cette soirée. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Merci pour ces hommes et ces femmes qui sont déterminés à marcher dans la lumière. Adonai Elohim, Dieu d'Israël, Yahweh, Yeshua, notre Maître, notre Dieu, sois glorifié en toutes choses. Nous voulons t'élever. Au nom de Yeshua, nous te prions. Père de gloire, Amen. Merci Seigneur. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, ça fait quand même quelques temps, mes amis, ça fait quand même assez longtemps que vous n'avez pas réagi hein, sur TV de Vie en appelant au fixe de la télé pour éventuellement poser vos questions. On a connu aussi quelques problèmes au niveau du standard. Donc, ce soir, je pense que c'est OK, hein, Laurent. Je pense que le standard fonctionne. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous voulez participer à l'émission ce soir, vous pouvez appeler au 01 64 98 90 45 01 64. 40 98 90 45, voilà le numéro défile sur votre écran d'ordinateur ou votre téléviseur si jamais vous nous suivez depuis Orao TV. Voilà, que le Seigneur soit béni. Alors, vous avez des témoignages à partager un peu de ce que le Seigneur fait avec vous, de ce que Dieu vous permet de vivre. Qu'avez-vous à nous raconter un peu? Voilà, mes bien-aimés, au nom de Yeshua. Alléluia. Donc, ça dépend, vous êtes libre. Voilà. Alléluia. Je ne sais pas si on m'entend. Très bien. Oui. On va parler un peu plus fort. D'accord. Voilà. Déjà, je bénis Dieu d'être là ce soir avec vous pour vous partager mon témoignage. Mm-hmm. Dieu m'a fait grâce de déjà témoigner à la famille proche. Mm-hmm. Et là, je suis contente de témoigner devant vous. Leur écran, et peut-être que ça va leur apporter un éclairage. Et donc en fait moi je viens de loin, j'ai commencé à connaître le Seigneur dans la rue. Mm-hmm. J'étais dans la rue, je marchais sur Châtelet et avec ma mère. Mm-hmm. Et là il y avait un monsieur qui prêchait. Mm-hmm. Sur la place. Et il prêchait, il parlait du Seigneur, il demandait aux personnes, il disait repentez-vous. Et ma mère, elle qui était déjà chrétienne, convertie on va dire, elle s'est arrêtée et moi j'étais pressée pour partir, mais ma mère elle est restée en fait devant cet homme en fait qui parlait. Et à un moment donné cet homme s'est arrêté, il me regarde, il me dit tu sais il faut que tu donnes ta vie, abandonne tout. Les hommes, ils viennent vers toi que pour coucher avec toi. Abandonne tout, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. Et là, en fait, je me suis sentie concernée. Et là, j'ai commencé à pleurer, en fait, en plein Châtelet. Comme ça, j'ai commencé à pleurer comme pas possible. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que le Seigneur m'a touchée. Et tu avais quel âge ? Je crois que je devais avoir 15 ans. D'accord. Aujourd'hui, j'en ai 27. Mmh. Et... D'ailleurs, cet homme-là, je l'ai re-rencontré dans les réunions de réveil, en fait. Wow. À Ivry. D'accord. Et lui, je crois qu'il me reconnaît même pas à l'heure actuelle. S'il regarde la télé, je pense pas qu'il va me reconnaître. Mais mm-hmm. Moi, je l'ai reconnu. D'accord. Donc, en fait, là, je me dis que vraiment, le Seigneur est bon. Il utilise, en fait, tout le monde. Et en fait, cet homme-là, il avait semé une graine. Mm-hmm. Et après, le Seigneur a arrosé au fur et à mesure. Mm-hmm. Et c'est ce qui a fait que j'en suis là, en fait, avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Et je bénis Dieu pour ce frère d'ailleurs, parce que Dieu l'a utilisé puissamment. Et depuis, tu t'es mariée. Voilà, ça, c'est ça. Vous vous souvenez. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans une église avant, mais
j'avais pas reçu la parole pure en fait, comme je l'ai reçue à Évry. C'est-à-dire que je comprenais, j'avais l'amour en fait en moi du Seigneur. Je voulais plaire au Seigneur, mais j'étais pas assez enseignée en fait. Et comme je vivais en concubinage, je vivais comme une femme mariée, je vivais avec cet homme. Bon, excusez-moi le terme, j'avais des rapports avec cet homme. Enfin, je vivais une fille, une vie de femme mariée. Et là, le Seigneur commençait à me parler dans mon esprit. Il me disait, c'est pas bien, c'est pas bien. Et là, je voulais obéir en fait. Donc, ce que j'ai fait, ben, j'ai posé, je me suis assise à côté de mon mari, qui est maintenant mon mari, et je lui dis, bon, ben, maintenant, je dois faire un choix. Si je dois choisir entre toi et Dieu, je vais choisir Dieu. Et donc, soit je lui ai dit, soit on se marie, ou si tu ne veux pas te marier, alors on se sépare, on ne vit plus ensemble. Et donc, il a dit oui. Amen. Il a dit oui, et il m'a dit, ben moi, je t'aime, alors on va se marier. Et donc, bon, ben, je regrette pas, mais c'est vrai que je l'ai fait, mais je n'avais pas demandé au Seigneur si c'était lui. D'accord. En fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas été devant le Père pour dire, Seigneur, est-ce que c'est lui? OK. Bon, je me suis repentie de cela. C'est du passé. Maintenant, j'espère que le Seigneur va toucher son cœur. Et voilà. Et donc, au fur et à mesure, donc j'ai connu les réunions de réveil à Évry. Donc, je suis sortie de là où j'étais. Et là, j'ai commencé à recevoir la parole. Et là, j'ai dit, oui, c'est ça qu'il me fallait. C'est cette parole-là qu'il me fallait. Et entre-temps, donc je suivais en direct, j'allais de temps en temps, mais à côté, donc moi je suis aide-soignante de base. Je travaille avec les personnes âgées en USLD, donc les fins de vie. Et à côté, j'ai développé un savoir-faire en fait dans le D'accord. maquillage. Wow. Et j'ai commencé à maquiller mes copines, mes amis. Et comme j'avais ce tact-là avec les mains, j'ai commencé à en faire un business en fait. D'accord. Donc, j'ai commencé à maquiller, à prendre des photos. J'ai commencé à mettre ça sur Facebook et ça avait du succès. J'avais du succès en fait. Ça, les gens appréciaient. Donc là, j'ai continué dans ça. Le maquillage, le maquillage, je maquillais, je faisais des photos. Et là, j'ai monté une société en fait à moi-même, D'accord. pas légale. Je sais pas, c'était pas un travail qui était déclaré. Et j'ai monté cette société-là. J'avais de plus en plus de clientes. Donc j'avais atteint au moins les 10 000 abonnés. Wow. Et donc là, tout le monde venait chez moi. Je recevais beaucoup de femmes pour le maquillage. Je maquillais ces femmes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à un moment donné, j'ai mes tantes aussi qui sont dans le Seigneur. Et ma mère, elle me disait, tu sais, Célia, fais attention parce que je ne pense pas que ce que tu fais glorifie le Seigneur. Et moi, j'étais un peu rebelle. Je disais, mais non, mais moi, le Seigneur ne m'a pas parlé. Il m'a rien dit. Donc tant qu'il m'a rien dit, je continue. Et elle me prévenait à chaque fois. Mais moi, je m'irritais. Mais cette irritation, en fait, c'est parce qu'il y avait une part de vérité. Et là, donc, je continuais, j'ai continué, continué, j'ai évolué, je gagnais beaucoup d'argent. Donc, en fait, je le faisais tous les samedis. J'arrivais à faire 500 euros par samedi. Donc, il y a 4 samedis dans le mois, je vous laisse faire le calcul. Et c'était, voilà, c'était toujours l'argent, 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 l'argent. Je me faisais de l'argent. Et puis, en fait, je mettais à côté, en fait, Dieu et la parole. Et un jour, bon, je commençais à maquiller et je ressentais en moi, en fait, j'étais pas en paix. Je le faisais, mais j'étais pas en paix. Je sentais le compromis, en fait, de ce que je faisais parce que c'était pas déclaré. Et le Seigneur, en fait, il nous demande d'obéir aux autorités. Donc, si on obéit aux autorités, on doit payer nos impôts, on doit déclarer le travail, on doit déclarer l'argent qu'on touche. On doit être en règle avec le Seigneur. Parce que si on n'arrive pas à obéir aux autorités, comment on va obéir au Seigneur? Et là, ça résonnait en moi. Je disais, mais oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et ma mère, elle me disait, Célia, c'est pas trop bien, tu t'éloignes du Seigneur, etc. Et un jour, ben, j'ai fait la rétrospection de ma vie. J'ai dit, mais Seigneur, moi, je veux te suivre. Montre-moi ce qui va pas. Je veux savoir, je veux te suivre. Je veux faire tout ce que tu me diras de faire, je vais le faire. Alors, dis-moi, parle-moi. Et là, j'ai commencé à écouter des enseignements, je me suis un peu plongée dans la parole. Et un soir, j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, je vais ouvrir la parole, conduis-moi et parle-moi parce que je veux que tu me parles. Et je suis tombée sur un verset. En fait, avec la Bible, j'ai un peu du mal parce qu'elle est grosse, il y a beaucoup à lire. Et à chaque fois, je dis, mais Seigneur, je commence par quoi? Et là, j'ai dit, bon, on va faire au pif, on va ouvrir et puis sur ce qu'on va tomber, je vais lire. Alors, j'ai fait au pif et je suis tombée sur Osée. Et ce verset-là, en fait, c'est ce verset-là, en fait, qui m'a subjuguée et qui,
en fait, qui m'a réveillée, en fait. Et j'aimerais bien qu'on prenne ensemble, y a pas si de vous souci. voulez bien. C'est Osée 12, à partir du verset 8, 8 à 9. Vous me dites si c'est bon pour vous. Donc je lis au nom de Jésus. Donc il dit au verset 8, « Éphraïm est un marchand qui tient dans sa main des balances trompeuses. Il aime faire des extorsions. Et Éphraïm dit, « Quoi qu'il en soit, je suis devenu riche. » Je me suis acquis des richesses, c'est entièrement le produit de mon travail, on ne trouvera en moi aucune iniquité, rien qui soit un péché. Lorsque j'ai lu ça, là j'ai reçu une claque. Ah ben ça, de quoi? J'ai reçu une vraie claque en fait, et là j'ai dit non, non, ça c'est Dieu qui me parle. Et toutes les phrases en fait me concernaient. Ben je crois qu'on va pouvoir développer ça ce soir. Oui, c'est ça que je veux faire parce que c'est énorme. Et en fait, Éphraïm est un marchand. En fait, là, tout de suite, je me suis sentie concernée parce que le marchand, c'est le business, c'est le monnayage, c'est ça, c'était tout ça. Et moi, je me suis reconnue tout de suite. En fait, ce qui est bon avec le Seigneur, c'est que quand j'ai lu ça, il m'a ouvert les yeux et il m'a donné l'interprétation de ce passage. Et quand il dit Éphraïm est un marchand, c'est ça, c'est le business, tout ce qui est, voilà, quoi, le marchandage, quoi. Et ensuite, il dit qu'il tient dans sa main des balances trompeuses. Et là, c'était moi encore, les balances trompeuses, le fait de gagner cet argent illégalement, pas déclaré, je me permettais de recevoir des clientes, c'est moi-même qui établissais mes tarifs. Aujourd'hui, si j'avais décidé que ce maquillage-là allait faire tant d'argent, bah voilà, je jouais un peu avec ça. Donc c'était pour moi, c'était la balance trompeuse. Ensuite, il dit, Éphraïm dit, quoi qu'il en soit, je suis devenu riche, je me suis acquis des richesses, c'est entièrement le produit de mon travail, on ne trouvera en moi aucune iniquité, rien qui soit un péché. Et là encore, le Seigneur m'a eu, parce que c'était les pensées de mon cœur. Dans mon cœur, c'est ce que je disais, oh, de toute façon, moi, je fais rien de mal, je pêche pas, je travaille, c'est un argent que je gagne, donc je ne pêche pas. Mais le Seigneur me dit que c'est mes pensées, c'est les pensées de mon cœur, et que, en fait, il me fait comprendre que si, c'est un péché, c'est un péché. Et j'ai été vraiment frappée par ça, parce qu'en fait, non seulement il avait dénoncé mon péché, mais il avait mis à découvert les pensées de mon cœur. Et j'ai dit, mais personne n'est au courant, il n'y a que moi. Donc c'est vraiment Dieu, en fait, parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Et ce que les hommes ne savent pas, les choses qu'on ne dit pas, lui le sait, parce qu'il n'y a rien qui est caché à ses yeux. Et là, quand j'ai vu ça, quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, là, c'est toi qui me parles. Et je ne veux plus résister, parce qu'il dit... Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et là, je savais que c'était le Père, et puis il y avait une certaine autorité, en fait. Et là, j'ai dit, non, non, je résiste plus. C'est fini, là, je m'abandonne, Seigneur. Ok, j'ai compris. Et vraiment, je bénis Dieu, en fait, pour la BJC. Parce que en lisant ça, je disais, quand je disais Éphraïm est un marchand, il y avait le S, là, je dis, ah tiens, je vais aller regarder. Je regarde, et ça m'envoie à Apocalypse 3, si on peut y aller, Apocalypse 3. À partir du verset 15. Voilà, je lis au nom de Jésus. Donc, au verset 15, il dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être ou froid ou bouillant parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Car tu dis, je suis riche. Là, il répète encore, en fait. C'est ça qui me... Il répète encore les mêmes choses qui me concernent. Car tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et d'oindre tes yeux de collyre, afin que tu vois, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Et là encore, le Seigneur me frappe. Parce que c'est encore les pensées de mon cœur. Parce que moi, avec tout cet argent que je gagnais, je disais, oh, de toute façon, moi, si y a un pépin, j'ai de l'argent, on débloque ça et puis c'est fini. Mais le Seigneur, il dit ici, la parole de Dieu dit, car tu dis, je suis riche, je suis dans l'abondance et je n'ai besoin de rien. Et c'était encore les pensées de mon cœur. Et là, le Seigneur dévoilait encore, il me disait, ça, c'est toi. Et là, je lis plus haut, l'église apostate. Donc, je suis l'église apostate.
Donc là, je suis pas du tout, je suis complètement à côté de la plaque. Je suis complètement à côté de la plaque. Et là, en fait, c'était vraiment un réveil. Là, c'était, le Seigneur m'avait vraiment ouvert les yeux sur mon état. Et quand il disait, quand il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, c'est comme s'il me disait, c'est moi ta richesse. C'est la sainteté, en fait. C'est moi ta richesse. C'est pas l'argent de ce monde. C'est pas les choses de ce monde. Et là, je commençais à comprendre. J'ai dit, non, là, Seigneur, c'est vraiment toi qui me parles. J'arrête tout. Et en fait, le Seigneur, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et je me suis dit, mais pourquoi, Seigneur, tu m'as pas fait arrêter tout de suite dans les débuts? Il m'a laissé, en fait, dans les 3 ans, évoluer, en fait. J'avais une gloire sur la terre. Tout le monde me voulait. Mon nom était connu. Tout le monde voulait que ça, CC va me maquiller. CC va... Parce que j'étais connue sous le nom de CC Artist Makeup sur Facebook. Maintenant, ne me cherchez pas, c'est fini. Hein. Tout est bloqué. Donc, ne cherchez pas CC Artist Makeup. J'ai fermé le Facebook. Il n'y a plus de photos. Je n'existe plus. Je ne fais plus partie de ce monde. Et donc, tout le monde me demandait. Et en fait, je disais, mais Seigneur, mais pourquoi tu m'as pas parlé tout de suite? Mais en fait, le Seigneur s'est servi aussi de ça pour me briser. Il m'a laissé évoluer, avoir l'argent, avoir tout ce monde. Et après, il a dit, maintenant tu arrêtes. Là où je gagnais beaucoup d'argent. Et il était là aussi mon brisement, en fait. Je devais quitter, en fait, tout ce confort que j'avais, toutes ces choses, toute cette gloire que les gens ils me reconnaissaient par ce nom. Et je devais laisser tout ça, mais j'ai dit non, Seigneur, aujourd'hui je veux t'obéir. Aujourd'hui, c'est pas moi, je veux m'éteindre. C'est toi qui dois te lever. C'est pas ça, quoi. Et donc j'ai tout abandonné. Et en fait, il y a deux choses. J'ai abandonné parce que j'étais vraiment dans la compromission déjà avec l'État. J'étais pas du tout en règle avec le Seigneur. Donc si le Seigneur revenait là, c'était l'enfer tout de suite, l'enfer. Et premièrement, donc il y avait ça par rapport à j'étais pas en règle, mais en plus il y avait cette compromission de ces personnes qui venaient. Ah, c'est Célia, viens, j'ai une soirée, maquille-moi. Et moi, je avec mes doigts que le Seigneur m'a donné, je vais sublimer ce visage pour qu'elle aille en soirée. Mais il y a quelque chose qui va pas. Aller faire tomber les hommes, voilà, les maris d'autrui. C'est ça. Et même des fois, il y a des femmes qui venaient, elles étaient habillées mal. Et excusez-moi le terme, mais elles étaient habillées comme des prostituées. Et moi, j'étais là en train de les maquiller. Donc, je participais, en fait. Et il y a des femmes qui venaient, des femmes qui n'étaient pas mariées. Ah, j'ai rendez-vous avec mon petit copain, maquille-moi. Donc, moi, j'engraine aussi cette femme à aller. Bon, donc, je vais la maquiller, ils vont aller au resto. Et puis, ça va dans la chambre d'hôtel. Eh bien, moi, je suis complice. Et là, vraiment, il y avait une très grosse compromission. Sublimer ses visages pour aller séduire d'autres hommes. Voilà, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Aujourd'hui, je suis dans la joie, en fait, parce que ce que j'ai laissé, je sais que ce qui m'attend, ça va être glorieux. Amen. Ce qui m'attend, en fait, ça va être magnifique. Et j'ai là, aujourd'hui, j'ai une joie. Cet argent-là, j'en veux plus. Le Seigneur nous dit dans sa parole, si vous avez le vêtement et la nourriture, cela vous suffit. Ça me suffit. Je rigolais parce que je disais, le Seigneur, il n'a même pas parlé de prendre une douche, ni de toi. Il a dit, la nourriture et le vêtement, avec cela, on peut vivre. Et la parole de Dieu, bien sûr. Et on n'a besoin que de ça sur cette terre. On n'a pas besoin de voiture, on n'a pas besoin des grandes maisons. On n'a pas besoin de toutes ces choses. On a besoin de la parole du Seigneur. On a besoin... C'est le ciel, en fait. C'est ce qui doit nous importer, c'est le ciel. C'est le plus important. Et pour faire un peu court, parce que je vais laisser quand même parler les autres, au fur et à mesure, après, donc j'ai tout abandonné. Et c'était vraiment un brisement total. Le Seigneur, dans la nuit, me travaillait. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se faisait. Je transpirais. J'ai perdu 15 kilos. Mais ça, c'est pas parce que là, c'était pas la dépression. Hein. C'est le Seigneur, en fait, qui est en train de me laver dans l'âme, dans le corps et dans l'esprit. C'est-à-dire totalement. Et cet argent-là me rendait même grâce. Je mangeais n'importe quoi, le McDo, tout. J'allais au KFC. Ah, tiens, il y a de l'argent, quoi. C'était KFC, tout. C'était n'importe quoi. Et j'avais pris du poids, j'étais devenue grasse. Au lieu de me nourrir de la parole de Dieu, Israël est devenu gras. C'est ça. Au lieu de me nourrir de la parole de Dieu, je me nourrissais de ces choses-là et je devenais lourde, grasse. J'avais mal au dos, la santé n'était pas là. Mais là, le Seigneur m'a purifié dans l'âme et même dans le corps. Le soir, pendant au moins une semaine environ, si je ne me trompe pas, je transpirais. Même mon mari me disait, mais pourquoi tu transpires comme ça? Enlève ces vêtements là, tu transpires et tout. Mais en fait, le Seigneur est en train de me purifier, en fait.
Et j'ai maigri, même au travail, les gens, ils me comprenaient pas. Les gens ne me comprenaient pas. Ils m'ont dit, mais c'est quoi ton secret? Pourquoi tu fais un régime? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu maigris comme ça? J'ai dit, je sais pas. Et puis, je pouvais pas trop leur expliquer, en fait, parce qu'ils ont tellement le cœur, voilà. Et je pouvais pas expliquer au travail. Mais moi, je sais que c'est le Seigneur, en fait, qui faisait tout ça. Je faisais pas de régime, je mangeais, on va dire, normalement. Mais je maigrissais. Et j'ai perdu en tout environ 15 kilos. Et là, je me sens bien, même dans mon corps, voilà, pas mal au dos, pas mal aux genoux. En fait, quand on regarde, c'est dans l'intégralité. Et on ne en fait. T'a pas forcément imposé les mains pour chasser voilà, un démon. Voilà, tout à fait. Et vraiment, le Seigneur a fait un gros travail dans ma vie. Il a continué, en fait, à m'enseigner dans sa parole. Et dans Proverbe, j'avais lu aussi une parole qui m'avait vraiment impactée, qui me disait, je ne sais plus où, il disait, « Vaut mieux un petit bien dans la justice qu'un gros revenu dans l'injustice. » J'ai dit, waouh, Seigneur, tu me parles, mais c'est vrai. Mais moi, j'étais totalement dans le faux. J'avais rien compris à ta parole. J'avais rien compris. Mais là, le Seigneur m'enseigne, même à la maison. Pas besoin d'aller à l'église ou quoi qu'est-ce. On s'assoit, on remet en fait tout dans les mains du Seigneur. Mais quand le Seigneur, il voit vraiment la démarche. Si véritablement vous le cherchez, il va se révéler en fait. De nous-mêmes, on ne peut pas, même quand on est dans le péché, de nous-mêmes, on ne peut pas se délivrer nous-mêmes. On a besoin vraiment du Seigneur. Pour se sortir de là. Mais quand vous allez devant le Seigneur avec sincérité, eh ben, il vous parle. Et là, j'ai senti vraiment que c'était le Seigneur. J'ai pas résisté. J'ai dit, ok, Seigneur, là, j'ai compris, c'est toi qui me parles. Et tout s'est fait comme ça. Au jour d'aujourd'hui, bah, j'ai arrêté le maquillage, j'ai tout abandonné. Les gens me cherchent. Ah, Célia, on veut que tu nous maquilles. Tu es où? J'ai dit, c'est fini. Pour l'instant, j'ai pas pris le temps de vraiment leur expliquer. Mais je me suis détachée de toutes ces choses. Et le Seigneur a fait un travail aussi en moi et voilà. Même moi, je me maquille énormément. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ça. Au naturel. Voilà, je suis au naturel. Et pour finir, le Seigneur en fait a confirmé en fait que j'étais bien comme ça parce que j'avais arrêté tout. J'ai arrêté le maquillage. Un jour, j'ai été à la poste pour aller retirer de l'argent ou faire un virement, je ne sais plus. Et je suis arrivée en fait devant la dame qui était au guichet là pour aller retirer l'argent. Elle me regarde, elle me fait waouh. Et je la connais, et cette dame-là, elle me connaît pas, on se connaît pas, on n'a pas de lien, voilà. Elle me dit, waouh. J'ai dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, vous brillez, je dis, il y a quelque chose et tout. J'ai dit, ah ouais, c'est comme ça alors. J'ai dit, donc, le Seigneur m'a. C'est le Seigneur, quoi. Voilà, c'est ça, en fait. Maquillé dans l'esprit. En fait, et en fait, le Seigneur, là, il me dit, tu vois, tu es belle. Tu vois comment tu brilles. Et là, j'ai dit, ah non, c'est trop fort, c'est trop fort. Et là, voilà, moi, j'ai plus besoin de maquillage, je suis belle comme ça. Mais moi, quand je me regarde dans la glace, je dis, ah ouais, je suis bien comme ça. Et par là, même mon mari, je m'embrouillais avec mon mari parce que je mettais trop de temps dans la salle de bain. Je mettais une heure dans la salle de bain. Et à chaque fois qu'on avait rendez-vous chez la famille et tout, lui, il n'était pas content parce que je prenais une heure dans la salle de bain. Il me disait, mais t'as pas besoin de toutes ces choses. Pourquoi tu mets la peinture sur ton visage? Lui-même me le disait. Wow. Et moi, je continuais. Donc, en fait, je voyais par là qu'il y avait un problème parce que c'est mon époux et on doit plaire à notre époux. Et non, je ne le faisais pas parce que lui, mon mari, me préférait comme ça. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait pour lui plaire? Le Seigneur, lui, quand il nous demande de lui plaire, on veut lui plaire. C'est ça. Si mon mari me dit, ah chérie, j'aime bien te voir les cheveux plaqués. Bah, alors, comme on veut lui plaire, eh ben, on va plaquer nos cheveux. Mm-hmm. Eh ben, avec le Seigneur, c'est pareil. Il nous dit, je t'aime comme ça, je veux que ce soit comme ça. Alors, obéissons. C'est pour ça que je comprends la hiérarchie du Seigneur quand il nous explique que Jésus, c'est la tête, après c'est le mari, après c'est la femme. Mmh. Eh ben, c'est ça. C'est ça, en fait. Et vraiment, je bénis Dieu. Le témoignage est long, je ne vais pas m'éterniser, mais en tout cas, le Seigneur m'a délivrée de toutes ces choses. Je suis sortie du monde. Je suis sortie de ces choses, de ce monde, en fait, de cette richesse de ce monde. Parce que je travaillais pour l'ennemi, en fait. Je travaillais pour Satan. Mais je ne me rendais pas compte. Les mains que le Seigneur m'a données, je faisais toutes ces choses, mais j'aurais pu, je ne sais pas, apprendre à faire du piano. Avec ses mains, apprendre à jouer d'un instrument, faire quelque chose qui va rentrer, enfin pour le royaume. Eh ben non, je faisais pour l'ennemi. Je sublimais toutes ces femmes, les gens qui venaient, je gagnais beaucoup d'argent et j'avais des cartes de visite. Il y avait marqué CC Artist Makeup avec mon numéro de téléphone et tout. Et j'étais dans la rue, allez, oh, voilà, je suis maquilleuse, tenez, si vous avez besoin de moi. Mais au lieu de faire ça, ben j'aurais pu annoncer Christ. J'aurais pu l'annoncer et non, je l'ai pas fait. Donc là, j'étais vraiment dans une grosse compromission et le Seigneur voulait vraiment me sortir de là. Et en fait, il m'a fait comprendre en fait dans ce passage d'Apocalypse qu'il me veut à 100%. Parce qu'il me dit que si je suis tiède, il me vomit.
Et quand j'ai partagé ce verset-là avec mes, avec la famille, ils n'ont pas tout de suite compris. Mais j'aurais dit, c'est normal, parce que ce message était destiné à moi. Mm-hmm. Il m'a ouvert les yeux. Mm-hmm. C'était pour moi, ce message. C'est pour ça que vous ne le comprenez pas. Et là, le Seigneur me fait comprendre qu'il me veut à 100%. Il ne me veut pas un pied dedans, un pied dehors. Et il dira aussi dans Matthieu 6, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, Dieu et la richesse. Parce que sinon, vous allez mépriser l'autre. Et c'est ce que je faisais. J'étais plus dans le maquillage. Et Dieu, ben je négligeais la parole. Je ne méditais plus vraiment la parole. Je le négligeais. Mais le Seigneur est jaloux. Il nous veut pour lui à 100%. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, j'espère beaucoup de sœurs ou des frères qui suivent ce soir. Il y a des hommes dont les femmes n'arrêtent pas de se maquiller, de passer du temps dans la salle de bain et qui n'en peuvent plus. Ben, si vous voulez pousser un coup de gueule, vous voulez, n'est-ce pas? Demander de l'aide, au Seigneur, bien sûr. Amen. Bien sûr, vous pouvez nous appeler pour éventuellement témoigner la gloire du Seigneur. Et puis une sœur qui a été Jézabélisée et le Seigneur l'a délivrée. Que Dieu soit béni.